Capitaine. Bon, coach, les gars, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps. On sait que vous avez votre séance d'entraînement. J'ai eu le plaisir de jouer avec certains d'entre vous. On a partagé les vestiaires pendant un bon moment. Maintenant, je suis passé de l'autre côté. Je tiens juste à vous dire, on connaît les problèmes qu'on a toujours eu. Et certains d'entre vous savent que j'ai bagarré toute ma vie pour améliorer ça. Maintenant, j'ai la décision d'améliorer ça. Alors, je vous demande juste de travailler avec votre sélectionneur et les autres problèmes là. Comme je dois signer ou engager les dépenses, vous verrez que beaucoup de problèmes vont disparaître. Je suis venu avec Rogers, vous le connaissez tous. C'est qui va trop parler. Non. Je le laisse continuer. Je vais trop parler, c'est pour vous donner plus de force et beaucoup plus de chance. Déjà la victoire, il y a le de dimanche, avant la victoire finale du 6. Je vais revenir sur ça. Le président vient de l'éviter. Vous devez penser qu'à jouer maintenant. Le chasse-mousse, on appelle ça chasse-mousse. Mouche. Ah, c'est pour tuer les mouches qui passent. Vous savez que c'est pour tuer les adversaires aussi qui vont. J'étais hier à la Mefou en Famba. Je suis parti là-bas parce qu'il y a une dame qui est maire de cette localité qui nous a invités. Et les chefs des villages là-bas, tous les chefs du village, tous les chefs et le chef supérieur, je pense, ils m'ont donné ceci. Là, ça a été un cérémonial. Ils ont fait un cercle, ils m'ont mis dedans avec le sous-préfet. Ils ont fait leur cérémonial. Ils m'ont donné ceci à vous remettre. Je dis à vous remettre vous les lions. Hein. Je veux plus le garder et puis ils m'ont vanté demain si on gagne le bac. Il m'a demandé de remettre ça aux lions indomptables. Je vais remettre peut-être au capitaine ou au capitaine ou à l'entraîneur. C'est à vous de décider. Okay. Voilà. Pour la demi-finale,